Regarde, il y rose. Le bruit, ça vient du patio, là. C'est Steven qui se fait kidnapper par un extraterrestre. Mais c'est quoi ça? Mais c'est trop bizarre, attends, Il tourne en rond. Lâche-moi. Ah, c'est pas possible. Mais arrête de me tenir comme ça. J'irai pas sur ta planète. Ah, mais en plus, il pleut. Oh non, oh, je vois la soucoupe volante. Non, j'irai pas sur ta planète. Laisse-moi tranquille. C'est un vrai alien. Bah oui. Oh, mais c'est trop bizarre. Allez, regarde, il se débat, il essaye de s'échapper, mais il peut pas. Oh non, non, il... Faut l'aider, là, non, allez, non, non, j'ai trop peur. Mais non, non, mais non, on s'en fiche, là, il est en danger, allez, non, on j'ai pas envie. Ah, il est rose. Peppa Pig, venez. Oh là là là, c'est fermé. Tout est fermé. Oh là là, pourquoi tu veux m'emmener? Pourquoi tu veux m'emmener sur ta planète? On s'en fiche, c'est Esteban, allez vite, on va le sauver. Allez, je viens t'aider, mais... Moi j'ai pas confiance, hein. Ça va, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite, cachez-vous dans la chambre. Il se passe quoi? Cachez-vous dans la chambre. Oh là 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 là. Comment ça, il se passe quoi? Vous l'avez très bien vu. Mais ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette alien? Tu l'as laissé rentrer, c'est ça? Ah non non, mais vous l'avez bien vu. Vous avez bien vu, vous étiez en train de me regarder par la fenêtre là. Ah, vous étiez en train de regarder et moi j'étais en train de me débattre comme ça et vous voulez m'amener sur sa planète. Et la soucoupe volante, elle est en train d'arriver. Comment t'as fait pour t'enlever de ses bras là? Ah bah oui, bah j'ai pas arrêté de bouger, j'étais comme ça, je me tapais contre les vitres. Et à un moment donné, il m'a lâché et heureusement, j'ai réussi à revenir. Il t'a parlé? Comment ça, il m'a parlé? Bah, il t'a dit quelque chose. Bah non, il parle pas, c'est... Il parle pas notre langue. Il a vu une soucoupe volante, alors? Ah bah oui, il était prêt à venir me chercher. Et donc, ils sont deux, alors? Un dans la soucoupe volante et un qui t'a attrapé, Esteban. Regardez, il est là-bas! Ça, on le voit pas. Mais deuxième. Moi, je le vois, je l'ai vu, je vous promets. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Attends, il est pas pareil. Il est là ou pas? Non, il est pas là. Mais non, il y a personne, Liliros, tu mens. Si. Regardez les amis, il y a rien. Il est peut-être rentré dans la maison. Mais je vous promets. Je sais pas. Bon, écoutez, ma théorie, je pense que là il y a la soucoupe volante qui est venue le chercher. J'ai vu la soucoupe volante de mes propres yeux. Il voulait m'emmener sur sa planète. J'ai entendu bruit, Esteban. Ouais, bah c'est sûr, mais pourquoi faire? Pourquoi il veut t'emmener? Bah il veut m'emmener peut-être pour faire des expériences sur des humains. On a déjà eu des extraterrestres chez nous, les amis, c'est pas la première fois. Sauf que d'habitude, ils nous attrapent pas comme ça. D'habitude, ils veulent prendre des objets chez nous. Bon, une fois, tu vas passer la première, hein. Et une puis fois, c'est non, toi une qui fois, vas... Une fois, tu te souviens, il y a un extraterrestre qui voulait te ramener sur sa planète parce que il y a des extraterrestres sur d'autres planètes qui sont fans de Lily Rose. Ils écoutent Kwaku Bay, ils écoutent Popit Mania. Mais c'est bizarre, pourquoi ils ont voulu l'attraper? On a même dû leur donner des albums de Lily Rose, on a dû leur donner des objets de sa chambre et tout. Bah, on va leur donner un album. Bah lui, non, il a l'air vraiment bizarre. Non mais lui je pense qu'il s'en fiche de Lily Rose, il s'en fiche de ses musiques, il s'en fiche de nous. Ouais. Il voulait juste me récupérer, ça tombe pour faire des expériences sur leur planète. Attends, viens, écoute, il faut qu'on sache s'ils sont partis. Ouais, faut qu'on y aille. Il faut qu'on ferme toutes les portes de notre maison. Parce que si la soucoupe volante revient et que les portes sont ouvertes et qu'ils rentrent chez nous et que... Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Oui, attends, parce que j'ai pas envie que tu te fasses attraper. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est juste des extraterrestres. C'est juste des extraterrestres. T'as vu ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont attrapé comme ça. Bon, allez, essayer d'en sortir. Ouais, c'est bon, ils sont plus ici. J'entends du bruit. Ouais, moi aussi. Imagine, il est là. Je sais pas, j'ai peur. Du bruit en bas. Passe devant. Ça tombe, ils sont en bas. Je sais pas s'ils sont plusieurs parce que comme il y a une soucoupe volante qui est arrivée, ça tombe. Ils sont plusieurs maintenant. Chut. Les appelle pas comme ça. Les appelle pas comme ça, oui, mais ils vont entendre du bruit, ils vont se dire il y a quelqu'un. Et je suppose qu'ils parlent. À mon avis, ils parlent le blablablou. Ils font blablablou. Oh, le chat. J'ai pas vu de. Tu veux te faire kidnapper par des extraterrestres ou pas? Stéphane, oui. J'ai pas vu de soucoupe volante de garer dans le patio là. Mais tu crois qu'une soucoupe volante, ça se. Non, mais tu crois qu'une soucoupe volante, ça se gare par terre? À mon avis, elle reste en l'air. Eh oui, c'est comme dans les films. Comment il a fait alors? Oui, bah comment il a fait, j'en sais rien. Moi, ils se téléportent, ils ont un truc, enfin bref. Bon, attends, je pense que ça vient de là. Je vois de la lumière. Ça vient d'ici. Attends, hop. Ah, ah. Il est là. Il est là. Il est là. Regardez-moi ça. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est lui. Il a vraiment une langue bizarre. Ah, c'est lui qui t'a. Oui, c'est lui qui m'a attrapé. Bon, il avait une moins grosse tête. Il avait une moins grosse tête quand il m'avait. Quand il m'a attrapé, il avait une tête énorme comme ça, toute molle. Ah ouais, ça doit être un autre. Et oh.
Qu'est-ce que vous faites? Monsieur l'extraterrestre. Qu'est-ce que vous faites là? Et il n'a pas l'air d'être méchant. Ça, c'est un coussin. Vous voulez qu'on vous donne ça. Le coussin? Non, non, du calme. Il nous attaque, hein. Attaque au coussin. Il nous attaque, celui-là. Non, non, non. Oula, oh, oh, oh. Eh, oh, oh, mais non. Eh, qu'est-ce que tu fais? Si on fuit. Pars pas comme ça, quoi. Ah ouais, ok, mais on comprend rien du tout. Cet extraterrestre vient. Oh, écoute, attends, attends, je vais utiliser un traducteur. Ça doit exister des traducteurs aliens français. Bon, écoute, ah voilà, c'est bon, j'ai mon traducteur. Bon, vas-y, parle, parle dans le téléphone. Qu'est-ce que t'as à dire? Non, oh non, c'est pas possible, on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a avec mon quoi? Oh, bah, attends, attends, tu vas halluciner. Bonjour, nous venons de la planète Pluton. C'est loin quand même ça. Ça, ça fait beaucoup de route pour venir chez Pink Lily. Et ils disent, on cherche une maison pour quand ma famille vient sur Terre. Ah, c'est pas ce qu'ils font ici. Hein. Et ils veulent qu'on leur prête notre maison pour toute la famille quand ils viennent sur Terre. Non, non, non. Bah, ah, mais, écoutez, on peut vous prêter une chambre, mais pas toute la maison. Hein, ah, non, 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 non. Et combien de temps? Ah oui, attends, attends. Mais, oh, oh, attends, attends, attends. Je vais... On n'est pas sûr qu'il y a assez de place pour attends, toute la Terre. Je vais dire, pour combien de temps vous voulez rester chez nous? Ah, ça se dit comme ça. Blou, bla, blou, blou, bli, blou, bla, blou, 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 blou. Je crois que ton accent, il est pas terrible. Ah ouais, mais en même temps, moi, je parle pas l'alien, hein. Attends. Quoi? Quoi? Pour 153 ans? Quoi? Mais attends, ah, mais on sera déjà mort. Mais vous vivez combien de temps sur votre planète? J'essaie même pas de traduire. On va pas garder des aliens pendant 153 ans dans notre maison quand même. Ton traducteur Ah mais oui, je suis sûr qu'il marche, hein. Bon, écoutez, on va vous donner un cadeau. Voilà, ils se donnent leur des trucs. Ah vous, voilà, vous voulez ça? Mais non, mais c'est lui qui me l'a donné. Tiens, dis-lui que c'est possible, mais plus tard. Comme ça, ils vont retourner chez eux. Et puis, on aura le temps de faire... C'est vrai que le temps qu'ils fassent la route, ça doit faire des mois et des mois qu'ils... Bon, écoutez, on va vous donner un truc. Regardez. Hop, cadeau pour les gens de votre planète. Un t-shirt Kangoo Jump. Hop, hop, tiens. Un t-shirt Pop-It Mania. Tac, voilà, pour votre planète. Et donne-lui un CD, comme ça. Comme ça, ils vont écouter... Hop, ils vont écouter des trucs. Ah, le chat. On vous donne un chat. Oh non, ah, non, si. Non, non, non. Nourriture, très bonne nourriture. Oh non, non, ça se mange pas, Vous voulez un chat? Allez, oui, bah, donne-lui le chat. Allez, hop. Bon, bah, si, comme ça, il y aura des chats sur Pluton. Ah, bah, non, il est parti, il a compris, tu vois. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On comprend rien. Oula, il s'énerve. Bon, c'est le moment de partir, hein. C'est le moment de partir. Attends, je vais quand même lui donner un album. Comme ça, ils pourront... Sur Pluton, à mon avis, ils connaissent pas Pink Lily, ils connaissent pas Kwakubé, ils connaissent pas Pop-It Mania, ils connaissent pas Pyjama Party. Hop, tiens, cadeau. Hey, allez, au revoir. Allez, ouais, à jamais, hein. Oust. Il va revenir, hein, c'est sûr. Il revient tout le temps. Ouais, non, non, mais non, il l'accompagne pas parce que s'il te garde dans sa soucoupe... Ouais, t'as raison. Ah ah, mais qu'il est bête, il répond toujours à côté de la plaque. Ah non, c'est pas possible, elle est pas ici. Non mais où est-ce qu'elle est, Lily Rose? Il est 3h du matin, ça va faire des heures qu'on la cherche. Non mais Valentin, tu vas pas me dire que tu l'as pas trouvée? Bah non, j'ai pas trouvé, elle était pas dans sa chambre. Non mais on a fait tout le tour du quartier, on a appelé la police, on a appelé les pompiers, elle est pas là. Oh là 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 là, non mais là si elle nous fait une blague, c'est vraiment pas drôle. Bon, salut à tous les amis, on espère que vous allez bien. Nous là, ça va pas du tout, vous allez très vite comprendre pourquoi. On démarre cette vidéo, on est déjà terrifiés. Vous allez comprendre, on va vous expliquer. Là, Lily Rose, aujourd'hui, elle était à l'école. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est lundi. Donc, c'est son premier jour d'école de la semaine. Et normalement, elle devait rentrer à 17h. Voilà, parce qu'elle devait terminer le collège à 17h. Depuis 17h, aucune nouvelle de Lily Rose. On ne sait pas où elle est passée. Et là, bah, il est quelle heure? Il est 3h du matin déjà. Ah oui, déjà 3h du matin. Enfin, elle est censée être là. Non, mais 3h du matin, on est en pleine nuit. Là, dehors, il fait nuit. Enfin, vous l'avez vu là quand on est monté. 3h du matin, il fait nuit. On a appelé la police, les pompiers. On a appelé l'école de Lily Rose. Ils n'ont aucune nouvelle d'elle. On ne sait pas où elle est passée. Et là, on fouille notre maison. Parce qu'en ce moment, Lily Rose, elle n'arrête pas de faire des blagues. Bon, pour tout vous dire, en ce moment, elle n'aime pas du tout aller à l'école. Parce qu'elle a plein de problèmes avec des pestes à l'école. Il y a des gens qui étaient ses amis avant, l'année dernière. Et maintenant... Attendez, on va aller vérifier dans le jardin. Lily Rose, t'es ici?
Lily Rose, si t'es là, c'est pas marrant. Non, elle est pas là. Bon, écoutez, on va rentrer. Je sais pas ce qu'on peut faire. Et du coup, je vous disais, donc l'année dernière, il y a des gens qui étaient ses amis. Voilà. Maintenant, cette année, c'est devenu des pestes. Du coup, depuis la rentrée, ça fait un mois qu'elle me dit je veux plus aller à l'école. J'en ai marre d'aller à l'école. Je veux plus y aller. À chaque fois, elles me font des pranks. À chaque fois, elles font des bêtises avec moi. Enfin bref, elle est totalement démoralisée. Et là, du coup, on la voit plus. Depuis, normalement à 17h30 maximum, elle est rentrée à la maison. Le temps de revenir jusqu'à la maison. Et là, rien. Mais rien de chez rien. Le collège, on l'a appelé, ils nous disent « Ouais, bah Lily Rose, peut-être qu'elle est partie, je sais pas, avec une amie. Elles sont allées manger quelque part, tout ça. » Enfin bref, n'importe quoi, elle fait jamais ça. Du coup, on se demande ce qui se passe. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, ce truc? Attends, c'est le directeur de l'école qui m'appelle. Pourquoi il m'appelle? Attends, viens Valentin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il m'appelle? C'est quoi ce truc? Allô monsieur? Allô? Comment ça? Mais c'est une blague! Non mais comment vous avez pu faire ça? C'est... Non mais c'est un scandale là! Nous on cherche Lily Rose depuis 17h. Non mais attends, attendez, ça fait 10h qu'on cherche Lily Rose. Là il est 3h du matin. On a appelé la police, les pompiers. Non mais comment ça? Bon, écoutez. Je raccroche. Non mais attends. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils viennent de me dire, ouais, on a trouvé les affaires de Lily Rose dans le collège. Et ils pouvaient pas nous... Non mais dans le collège. Non mais... Attends mais viens. C'est une blague. Bon là les amis, je viens d'avoir le directeur au téléphone et il m'a dit, ouais c'est bizarre, on a trouvé le sac de Lily Rose, le manteau de Lily Rose dans le collège et on a regardé les caméras parce que dans le collège de Lily Rose il y a plein de caméras de surveillance et ils ont pas trouvé Lily Rose. C'est-à-dire que Lily Rose est pas sortie du collège, ils en sont sûrs. Bah elle est toujours au collège alors, faut aller la chercher. Bah elle est toujours au collège mais à 3h du matin, qu'est-ce qu'elle ferait au collège? Je sais pas, elle est peut-être en train de se cacher, elle a pas envie de rentrer. Enfin, sur les bizarre, caméras de surveillance, ils ont regardé, ils ne l'ont pas vu sortir. Bah Lily alors, faut qu'on aille la chercher maintenant. Mais on va pas aller au collège à 3h du matin, qu'est-ce qu'on va aller faire? Bah chercher Lily Rose. Non mais attends, on a fouillé toute la maison, on a fouillé toute la ville. Là il y a la police qui est en train de chercher dans toute la ville, il y a les pompiers, on a appelé les pompiers. Mais t'as une autre piste? Non mais c'est une blague. Moi j'ai prévenu les abonnés. Bon écoutez les amis, là on n'a pas le choix. Ouais. Si c'est ça, il faut qu'on aille au collège. Bah oui, on n'a pas le choix. Allez, on y va maintenant parce que... Bon, les amis, on prend la voiture. Bon, Peppa Pink, évidemment, bah, il n'attend pas. Il est parti chercher dans toute la ville. Il est parti chercher, il a pris sa trottinette. Il est en train de chercher dans toute la ville. Bon, allez, Valentin, là. Ouais. Mais, non, mais prends pas le chat. Mais si, il va bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le chat à l'école? Il va nous aider. Bon, non, ouais. Allez, pose le chat. Bon, les amis, du coup, comme vous le voyez, Peppa Pink, il est parti en trottinette dans toute la ville. Et nous, on sait plus quoi faire. Bon, allez, installe-toi. Okay. Oh, la lumière de ce garage qui marche plus. Allez, bon, il n'y a plus qu'à prendre la voiture. On se retrouve tout de suite au collège de Lily Rose, dans sa classe, en espérant que ça se passe bien. Et par contre, t'as intérêt à vraiment m'aider cette fois. Mais oui, t'inquiète pas. Je vais t'aider, ouais. On se rend au collège de Lily Rose. À 3h du matin. Je pensais jamais dire ça. C'est incroyable. Regardez qui nous a suivis. Mais ah non, mais regarde Valentin, pourquoi t'as pris le chat? Valentin a pris le chat dans la voiture. Pourquoi t'as pris le chat? Mais parce qu'il voulait venir avec nous. Là, non mais t'es un fou, qu'est-ce que... Non mais le chat il a rien à faire à l'école. Regardez-le. Il est tout gentil. Oh, non mais chut, chut, chut. Donc là on est devant la classe de Lily Rose. Enfin, la classe de Lily Rose. Elle est censée être là. Bon, ah non mais le chat est en train de s'enfuir. Non mais ah, laisse, abandonne le chat. Bon, on est devant la classe de Lily Rose. Ah là là, mais ils sont complètement fous. Ils sont complètement horribles ces élèves. Dans son école, il n'y a aucune lumière allumée. Il n'y a personne. Sauf dans cette classe, on entend du bruit comme ça. Ça tombe, Lily Rose, elle est restée à l'école la nuit. Pourquoi elle serait restée à l'école la nuit? Chut, écoute. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des rires bizarres. Attends, oui. on va frapper. Vas-y. Eh oh, y'a quelqu'un? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Y'a quelqu'un ici? Oui, rentrez. J'entends un bruit. Vas-y, on rentre ou pas? Ok, vas-y, ouvre la porte. Y'a quelqu'un? Il est là. C'est quoi ça? Rentrez. C'est quoi ça? Rentrez, jeune homme. Vous êtes deux. Vous êtes qui? Vous êtes deux. Vous êtes qui? Bienvenue dans ma classe. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Installez-vous. Ça me fait trop peur. Non mais comment ça, installez-vous? Installez-vous, mettez-vous là. Non mais je veux pas m'installer. Non mais c'est quoi ce truc? Eh oh! C'est quoi ce truc? Ah mais regardez, c'est flippant. Vous êtes enfermés dans ma classe. Mais c'est quoi cette classe? Mettez-vous au fond. Allez. Oui, on va se mettre au fond.
Toi, le pas beau, et toi, oui, on va se mettre ici. Ah, Valentin. Quoi, non, mais dans quoi on est tombé là? Mais je sais pas, elle est trop bizarre, la salle de classe. Non, mais on est à l'école à 3h du matin. Il y a que des poupées hantées à la place des élèves. Ah, et même le prof. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à 3h du matin? Bah, on cherche. Salle maudite. On cherche Lily Rose. Lily Rose. Bah, elle est là, Lily Rose. Regardez. Elle est là, Lily Rose. Comment ça, elle est là, Lily Rose? Lily Rose. Ah, ici. Calme. Mais c'est pas Lily Rose, ça. Bah, si. Lily Rose. Ah, non, mais elle arrête pas de parler, hein. C'est quoi ce truc? Taisez-vous, ah, si vous voulez pas venir comme eux. Ah, mais c'est quoi ça? Alors, allez, asseyez-vous. Sinon, non, je vous transforme en poupée. Écoutez, vous faites extrêmement peur. Bon, voilà, écoutez. Qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi. Oui, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais. Oh, regardez. Ah, mais c'est terrifiant ce truc. Bon, écoutez. Écoutez, arrêtez avec vos livres maudits là. Laisse mon livre. Nous, on cherche Lily Rose. Elle est pas rentrée de l'école tout à l'heure. Et visiblement, l'école à 3h du matin, c'est. On se croirait dans un truc d'Halloween là. Uniquement si tu dis la formule magique qui est dans le livre. Attends, quoi? Je retrouverai Lily Rose uniquement si je dis la formule magique? Oui, mais qui est dans mon livre. Mais tu ne l'auras pas. Oui, bon, écoutez les amis. Je pense qu'on va partir de cet endroit, d'accord? Non, bon, Valentin, viens. On va s'enfuir. On part d'ici, Oui, oui, bon, allez. À demain, monsieur le prof, à demain. Vite, par d'ici. Non, par d'ici. Attends, mais c'est ça qui se passe à l'école à 3h du matin, du coup? Bah, on dirait bien. Et Lily Rose, elle y est toujours? Non, Lily Rose y est pas. T'as bien vu que c'était pas Lily Rose. Il y a que des poupées hantées, des mannequins avec des yeux bizarres. D'ailleurs, faudra récupérer le chat en partant. Ah oui, c'est vrai. Attends, je vais chercher. Nous, on va rentrer dans notre maison en espérant que Lily Rose soit là-bas. Oh, ça fait vraiment peur. Bon, en tout cas, les amis, n'allez jamais à l'école à 3h du matin. Vous savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Ah, venez. Ah, restez dans votre classe. Oui, prends le chat. Bon, on va retourner à la maison. J'espère qu'on va y... Non, partez. J'espère qu'on va y trouver Lily Rose. Bon, les amis, là, on est 2 heures plus tard. J'étais dans la chambre de Lily Rose. Bon, je vais pas la réveiller. Là, maintenant, elle est en train de dormir. Bon, tout est bien qu'il finit bien. On a retrouvé Lily Rose. En fait, bon voilà, elle avait fait une grosse bêtise. Elle est partie avec une amie, voilà. Elle a voulu aller jouer au parc et ensuite elles se sont promenées. Ça a duré des heures. Elles sont rentrées à 4h du matin. Surtout, ne faites jamais cette bêtise. Voilà, parce que c'est vraiment une énorme bêtise. Hein. Vraiment là, on n'est pas content. Mais bon, dès qu'elle est rentrée, elle est partie dormir. On va la laisser dormir. On est allé à l'école de Lily Rose, au collège de Lily Rose à 3h du matin. Franchement, on n'aurait jamais dû faire ça. Là, vu ce qu'on a vu. Bon, ça va, les chats sont rentrés. Il n'y a pas de problème. On n'aurait jamais dû aller au collège de Lily Rose à 3h du matin. C'est une catastrophe. Le prof, ça devient un monstre. Les élèves, ça devient des monstres. Enfin, bref. Du coup, ne refaites pas les bêtises de Lily Rose. C'est vraiment une catastrophe. Nous, on l'a cherché pendant des heures. On a dû appeler la police, les pompiers. Enfin, bref. C'est l'heure de la guerre des pranks. Regardez ce que j'ai pris. J'ai fabriqué une potion. Dedans, j'ai mis un escargot, une limace et du citron avec de l'eau. Regardez. Hop, j'ai vu ça sur internet. C'est censé ultra gratter quand on met ça sur quelqu'un. Et là, je vais profiter que Lily Rose dorme. Et il est 2h du matin. Elle doit dormir juste là. Et je vais lui faire un petit. Elle va moins rigoler. En ce moment, elle est insupportable. La dernière fois, elle est allée dans ma tirelire. Elle a récupéré tout mon argent de poche. Elle a acheté des bonbons pour tous ses amis. Non, mais c'est quoi? Lily Rose? Lily Rose? Lily Rose, t'es où? Mais pourquoi elle est pas là? Lily Rose, tu savais que j'allais te faire un prank ou quoi? Lily Rose? T'es où? Eh oh! Oh, c'est vrai, faut pas que je parle trop fort. Peppa Pink, il va se réveiller. Eh oh! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Lily Rose! Oh non, mais je suis désolé si tu savais que j'allais te faire un prank là. Je voulais pas vraiment te le faire, t'inquiète pas. En vrai, je voulais lui faire, mais. Lily Rose! Lily Rose! T'es là? Oh, je vais réveiller Peppa Pink. J'espère qu'elle a pas fugué. Oh, imaginez, elle est partie. Comme là, on est vendredi soir. Ça tombe. Elle est partie toute seule de la maison pour aller voir ses amis. À 2h du matin. Peppa Pink!
T'es pas Pink, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe encore, hein? Réveille-toi. Oh là là, mais ça va pas de me réveiller comme ça en sursaut, là. Qu'est-ce qui se passe, Esteban? Je suis désolé, je sais qu'il est 2h du matin, mais Lily Rose, elle est pas dans sa chambre. Elle est pas du tout dans sa chambre. Comment ça? Ben écoute, moi je l'ai pas entendu rentrer. De toute façon, elle fait tellement de bruit quand elle rentre qu'on l'aura entendu. Attends, comment ça tu l'as pas entendu rentrer? Mais rentrer de où? Ben, de chez sa copine, non? D'habitude, elle va pas chez sa copine en rentrant de l'école. Attends, tu l'as pas vu rentrer de l'école? Non, pas du tout. C'est une blague! Je l'aurais entendu, Esteban, elle fait tellement de bruit. Mais oui, c'est vrai, je l'ai pas encore vue aujourd'hui. Tu l'as pas vue? Attends, mais ça tombe, elle est pas rentrée de l'école, ça tombe, elle est encore là-bas. Elle t'a pas appelé? Attends, on va vérifier un truc. Vas-y. On va vérifier un truc là. Qu'est-ce que tu veux vérifier? Attends. Et Valentin, là, le cousin relou, il est pas dans sa chambre? Pourquoi sa chambre, elle est ouverte comme ça? Ah bah, c'était fermé tout à l'heure. Oui, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est la chambre du cousin relou maintenant. Eh oh, Valentin, t'es là? Mais non, son lit est vide! Son lit est vide! Regarde! Viens voir! Je vois! C'est vide! Et normalement, il est là et je l'entends! Oui, tu l'aurais entendu rentrer! Oh là 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 là! Attends, il n'y a pas Valentin, il n'y a pas Lily Rose, ils sont dans la même classe à l'école! Mais t'es sûr qu'ils sont rentrés de l'école? J'espère qu'il leur est rien arrivé, hein! Tu me dis non, je suis pas sûr parce que je l'aurais entendu. Ça tombe, ils sont. Attends, je vais appeler sa copine parce que c'est vrai que Lily Rose, des fois, elle va chez son amie avant de rentrer. Attends. Hop, le numéro de Cynthia. Allô, Cynthia? Ouais, désolé de te déranger, je sais qu'il est 2h du matin, mais... Quoi? Bah oui, bah moi aussi, je cherche Lily Rose. Ouais, mais je pense que du coup, elle est encore à l'école. Comment? Ok, j'en parle à Peppa Pink. Ça marche, merci, Cynthia. Apparemment, Valentin et Lily Rose sont restés à l'école. Ils ont voulu rester avec le prof. Et apparemment, le prof était très bizarre parce qu'il préparait des trucs pour Halloween. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, touche pas à ça alors là. Oh, touche pas à ça. Non. Qu'est-ce que ça fait dans sa chambre? Non, mais t'inquiète pas, oui, bah c'est une surprise que je devais lui faire. Enfin bref, c'est. Bon, écoute, là on n'a pas le temps, il faut filer à l'école. Il faut filer à l'école immédiatement. Bon, ça tombe, ils sont trois dans la classe. Le prof, Valentin et Lily Rose. Ils sont en train de faire des trucs. Très bizarre d'Halloween. Enfin bref, allez, vite, dans la voiture, on y va. C'est bon, allez, on y va. Ouais. T'es prêt? Allez, c'est parti. Oh, je suis fatigué là. Bah t'es fatigué, bah j'espère pas trop parce que là on doit aller dans l'école de Lily Rose et on doit aller les chercher dans tout le collège. Bah, en tout cas tu vas tout seul parce que moi à 2h du matin je ne rentre pas. Comment ça pas j'y vais tout seul? Bah ouais, moi je rentre pas dans une école à 2h du matin alors. Ah bah d'ici qu'on y arrive il sera 3h du matin là même. Ah hein? Ah ouais c'est vrai. Oh non, je te laisse y aller tout seul hein Stéban. Quoi? Moi je t'attends dans la voiture. À pied? Ouais. Bah, je t'accompagne jusqu'à l'école et puis... Ouais, ok, bon non, mais je vais devoir rentrer dans l'école tout seul. Et tu crois que moi, j'ai pas peur? Bah, écoute... Non, mais surtout qu'apparemment, ils sont en train d'organiser plein de trucs pour Halloween. Ça tombe, il y aura plein de gens avec des masques de clowns, avec des trucs qui font archi peur et tout. Bah, voilà, c'est pour ça aussi, moi, j'aime Et oui, avoir les peur. Amis, j'ai essayé d'appeler Lily Rose, là, quand j'ai coupé la caméra, elle répond pas. Et Valentin, pareil, Valentin ne répond pas non plus. Là, c'est une catastrophe, personne répond, même le prof, même le directeur de l'école. Oui. Bon, allez, vas-y. Allez, on démarre. Bah oui, essayez. Me voilà devant la classe de Lily Rose. Regardez ce qu'il y a. Ils ont mis un panneau comme ça. Warning, avec des mains comme ça, rouges. Warning, ça veut dire attention. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Vous entendez? J'entends des rires maléfiques comme ça. J'entendais. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Oh là là là, j'espère que Lily Rose va bien. Il y a aussi le cousin relou. Y'a quelqu'un ici? Entrez! Y'a quelqu'un ici? Oh là là, j'ai peur. Bon, j'ai pas le choix, il faut que je récupère Lily Rose. Ah! Encore un! Allez-y, mais rentrez! Allez, hop! Moi, je ferme la porte. Allez, va t'asseoir! Ah, mes lunettes! Mais j'avais pas vu, mais c'est horrible! Oui, bonjour! Bonjour, bonjour monsieur! Bonjour! Ah! C'est quoi ça? Allez, assieds-toi! Ah mais je me suis fait pranker! Je me suis fait avoir! Bon écoutez, je sais pas à quoi vous jouez, monsieur Foufou, c'est vous? Non, c'est pas moi! Monsieur Foufou, décidément, il est. Maintenant, c'est devenu un professionnel des costumes d'Halloween, hein? Ah, c'est quoi ce livre? Écoutez, Valentin, c'est toi? Mais Valentin, enlève ce truc ridicule! Tu m'as fait peur! Bah quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, c'est Halloween! Non, mais il est 3h du matin là! Bah, raison de plus pour être ici! Et Lily Rose, elle est où?
Bah, ah, je sais pas. Comment t'as eu? Je sais pas. De quoi, comment on m'a eu? Là, ça me fait pas rire du tout. Tu peux m'aider à recoller ma main, s'il te plaît? Arrête avec ce gag ridicule. Bon, écoutez, moi, je viens pour récupérer Lily Rose. Vous faites toutes les bêtises que vous voulez, mais prévenez-nous. Appelez les parents quand même. Non, mais restez à l'école jusqu'à 3h. Oh, mais j'ai eu peur. Regardez-moi ces élèves. Regardez, il y a la poupée maudite en élève. Il y a lui là avec son masque blanc. Lui avec ses yeux ridicules. Et il y a. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah! Regardez-moi ça. Non, mais il y a toi, regardez-moi ça. Non, mais c'est horrible. Bah oui, j'ai peur. Une araignée. T'as peur des araignées? Bon, écoutez les amis, moi, je veux rien d'autre, je veux juste partir d'ici au plus vite. La seule chose que je veux, c'est repartir avec Lily Rose et dans un état normal, s'il vous plaît. Oh, regardez-moi ça. Bah, elle est où Lily Rose, au fait? C'est elle, Lily Rose, non? Bah ouais, elle était là tout à l'heure. Elle a changé, hein, Lily Rose. Il y a l'ami de Lily Rose, la Cynthia, qui m'a dit que elle avait laissé en classe Valentin, Lily Rose et le prof. Donc normalement vous étiez trois. Là pourquoi vous êtes plus que deux? Où est passée Lily Rose? Je veux savoir. Moi si ça va, ça continue comme ça, j'appelle la police. Bah, je dis qu'il y a le prof qui a gardé des élèves dans sa classe pour organiser des trucs d'Halloween horriblement hantés avec des masques horriblement flippants. Ok. Bah, on est trois, c'est bon. Regarde. Elle m'a dit qu'elle allait. Je me souviens. Ouais, non, ça c'est pas Lily Rose, c'est la poupée maudite. Ah oui. Je me souviens, elle a dit qu'elle était partie faire pipi il y a 5 minutes. Oui, bien sûr. Ouais, bah, elle est aux toilettes. Bon, allez, moi je pars d'ici. Valentin, tu restes ici tant que tu veux. Mais en tout cas, rentre plus chez nous. Non. J'ai préparé de la soupe d'Halloween. Je veux pas de votre soupe d'Halloween. Non, Gaston. Bon les amis, je sais pas ce que je dois faire là. J'ai l'impression qu'ils ont perdu Lily Rose. Et moi il est hors de question que je fouille dans tout le collège à 3h du matin avec tous les monstres là qu'ils m'ont montré. J'ai pas envie d'avoir la peur de ma vie. Bon, en tout cas, si vous revoyez Lily Rose, appelez-moi surtout, hein. Ok. Elle doit revenir des toilettes. Ouais. Bon, moi je rentre à la maison. Et j'en ai marre. Les amis, le jour où sort cette vidéo, on est le 19 octobre, ça sort le 19 octobre, aujourd'hui, à Douai, dans le nord de la France, on fait une rencontre abonnée à Douai, dans le nord de la France, donc rendez-vous à 18h à l'hôtel de ville de Douai, voilà, le 19 octobre, c'est votre dernière chance, dernière fois qu'on le dit, en attendant, je vais essayer de retrouver Lily Rose pour qu'elle soit là, bah, à Douai, le 19 octobre, quand même.